On est sur le stand de Microsoft et on est en train de tester Forza Horizon 4 qui va sortir sur Xbox One et sur PC. Moi, je trouve que dans les jeux de bagnole, bah, c'est l'un des meilleurs, les Forza Horizon, parce que voilà, c'est hyper fun à jouer. Mais cette fois-ci, ils ont rajouté le concept de saison. Donc, vous allez retrouver souvent les mêmes pistes, mais elles vont être très différentes à jouer en hiver, parce que vous allez vous retrouver avec de la glace, au printemps, en été, vous allez vous retrouver avec de la pluie. Par exemple, si vous avez sur la carte un lac, eh ben, vous ne pourrez pas le traverser, sauf en hiver, vous pourrez traverser le lac glacé. On retrouve une maniabilité qui est assez arcade, c'est-à-dire si vous foncez dans le décor, bah, c'est pas grave, la course continue et la voiture fonce et dégomme un peu tout ce qu'il y a sur son passage. Et quoi qu'il arrive, si vous faites une grosse erreur, et bah, c'est simple, vous appuyez sur le bouton Y en haut et vous pouvez rembobiner. C'est-à-dire vous revenez un petit peu en arrière, c'est un peu la marque de fabrique des jeux Forza. Ça sort en octobre sur Xbox One et sur PC. Et dès que ça sort, je le prends Day One.